vous êtes si nombreux à suivre cette émission. Coucou, bonjour. Hein? Bonsoir, Nabisika, nos beaux amis. Bouta, Nabisoto, Bembo, Tenabino. On va parler de l'actualité. Et l'actualité restait dominée par qui est Jean-Paul Mokolo Kongesha. Voici le portrait du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle. Le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo Kongesha, a prêté serment mardi 2 juin 2020 devant le chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo au Parlement. Cette cérémonie s'est déroulée dans la salle des congrès du Palais du Peuple, notamment à la présence de Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, aussi Alexis Tambwe, président du Sénat. En prêtant serment devant Félix Tshisekedi, le nouveau procureur général après la Cour constitutionnelle, entre autres, promis, j'irai de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, mais aussi de remplir loyalement, fidèlement, les fonctions qui sont confiées. Mais alors, qui est Jean-Paul Mokolo Kongesha, le tout nouveau procureur général après la Cour constitutionnelle, né à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le 8 septembre 1960. Jean-Paul Mokolo est marié à près de 5 enfants. Il a obtenu son diplôme d'État en 1979. Au petit séminaire de Kabwe dans la province du Kasaï central. Jean-Paul Mokolo Kongesha a obtenu son diplôme de licence en droit public à l'université de Kinshasa Unikin en 1988, s'il vous plaît. Il a obtenu son diplôme de master en droit constitutionnel en 2007 à l'université d'Afrique du Sud, où il est doctorant en droit public chef de travaux à l'université de Kinshasa. Le nouveau procureur général pour la Cour constitutionnelle fut magistrat du ministère public de 1988 janvier et 2015. Il fut procureur général pour la Cour d'appel de Bandundu de janvier 2015 à 2018, avant sa nomination en tant que procureur général après la Cour constitutionnelle par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était avocat général depuis un an, depuis 2018, nommé par des ordonnances présidentielles du 7 février 2020 de 6 et de 7 autres magistrats avaient prêté serment le 19 février dernier au Palais de la Nation devant le chef de l'État, à l'exception de Jean-Paul Mokolo. Ce dernier, à sa qualité de procureur général près de la Cour constitutionnelle, ne pouvait que prêter serment devant la nation, représentée par le président de la République ainsi que les deux chambres et sénateurs. Merci beaucoup, parce que pour lundi, biographie à monsieur procureur général de la République, procureur près de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on va parler de ça aussi, parler pourquoi cette nomination si vite comme ça. Valobi, le chef de l'État a signé plus de côté justice, parce que la Constitution vit à Nibé Koyamboka et le Banabisobo. Aujourd'hui, on doit être un peu article portant l'organe 3, portant l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Ici, d'abord, le Banabisobo, Valobi. Voilà. Titre 1 des dispositions générales, chapitre 1 de l'état de la souveraineté, section 1 d'état. Je crois qu'on va revenir pour parler de ça.
droits humains et libertés, des fondamentales et les devoirs des citoyens à l'État. La Constitution tient à affirmer l'attachement de la République démocratique du Congo. Congo est à Kokangama, est et l'attachement de la République démocratique du Congo aux droits humains et aux libertés fondamentales telles que proclamées par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré aussi a-t-il intégré ses droits et libertés dans le corps même de la Constitution. Voilà, on va parler aussi de Caméré, affaire Caméré qui fait pas mal de rage. On est tous on parle de Caméré. Caméré qui fait pas mal de rage. Caméré aujourd'hui, troisième audience naïe. L'audience est encore trop, trop vif parce que deuxième audience, elle est 25. Tout le monde a dit bon, il y a un juge Yann Raphaël. À cela, il était empoisonné. On nous a confirmé cela. Il était empoisonné, mais ça nous reste maintenant à savoir où il était empoisonné, dans quel endroit, dans quel. Matière, on a le nini peut-être empoisonné qui est dès le qualité ben on a côté mon souci de voir l'objet était caméra mutaché là qui est poison parce que caméra a parlé de cachené il faut la cachené pourquoi caméra prononcé indirectement écouté par maître Coco Kanyudi l'avocat de la cour ou à l'obaki na biso to yoki que caméra lobby il va mettre de fait chez Babengi Soraya et Soraya Mpiana et Amida Chati. Amida Chati, c'est sa femme. Soraya, Azali Bongo Mwana Naye, Mwana ya Jibé Piana, Azali Mwana ya Kamere. Oyo Lelo, Batou Alobi, Soraya a été reçu bel et bien une somme de 10 millions de dollars par M. Vital Kamere. Est-ce qu'il y a Owangana? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui va y en ayo na Katia Makala, Osama Nakata Makala. C'est fait que Osambi Malamu Mingite. Pas aller lui au caramel monko ma sur place mandat d'arrêt provisoire ou au memayo au kenimba la monko na pavillon ou yengi banika se fo batia yo so ki batie wana alors va comprendre que monsieur on est si ka batie azali moto yo akoki ko bimati le on parle de Soraya Mpiana oyo arosala déjà wana makala. On va parler aussi de Amida Chati qui doit être là aussi pour parler. Pendant que les gens parlent de ça, aujourd'hui, tout comme moi, parlons du Caméré rapidement. Affaire, audience confirmée pour ce mercredi. Ce mercredi, les cas de la RDC déjà sur place. Les camions des reportages s'est dirigé ce soir dans la prison centrale de Makala pour le procès de 100 jours du directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Caméré. Il s'agit d'un minibus pour reporter Voilà. Procès Vital Caméré, le juge président Pierrot Bankenge Vita prend la commande de la composition. Voilà, ils allaient mettre juge président au remplacer côté Yann Raphaël parce que Yann Raphaël a fait du bon mois à qui empoisonné. Remplacer les bisous le juge président Pierrot Bankenge Vita. Le procès opposant le ministère public et le directeur des cabinets du chef de l'État Vital Caméré est accompagné effectivement commencé ce mercredi 3 juin à la prison centrale de Makala. Après la disparition tragique, inopinée du juge président Raphaël Yani, au Vumo dans le procès 100 jours qui liait Vital Caméré et Pio. Pierrot Bankenge le Vita prend le commandement, les commandes de la composition du procès 100 jours. Pendant ce temps, le procès 100 jours en cours avec la lecture de tous les procès verbaux. Raphaël, Yann,
Parlons maintenant de Kamere. Kamere, ce qui est le Babengisi, Amil Ashati. Pourquoi Kamere s'est décidé à relever que je veux mettre des faits sur Babengisi, Amil Ashati? Parce que tout ça, je dirais qu'il y a la présence centrale à Makala, à Bongo, à Kentazo, diffusé sur l'image. Ce qui Kamere va kangiye, ce qui Kamere va condamner. Et ça, il va condamner dans la troisième audience. Il va faire les alliés. Kamere, jusque-là, il est présumé innocent. Il va vivre dans le cas là-bas. Naba prévention innocent naïe ou bon on a qui caméra dans l'innocent mais au cas où si que c'est que ami de Chati à la Kwana j'ai bien na soyan bien na zawana c'est fait que bakangi trop souka wapi parce que il y a à boire et à manger quelque part monsieur Jamal reconnaît quand même qu'azo timbongo côté il y a gouvernement congolais pour ça là. Ma maison préfère côté et côté Moussou Sazolo ba et y a qui il fallait que ba bimsa côté Moussou Sazolo wangana mais c'est Jamal de l'autre côté il nous dit que aibi français aibi ka qui arabe après quelques temps apprendre français yemo kona moko na yee. On se pose des questions, on se pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces pays? On doit rester sur l'affaire Kamere pour parler plus maintenant de Amida Chati. Ce qui Amida a commis la prison, c'est fait que Bakangi. C'est ça. Pourquoi Kamere a refusé que Amida y a? Parce qu'Amida reconnaît quand même beaucoup de secrets. Pourquoi Kamere a refusé que Soraya qu'elle vienne à Kata procès? Parce que Soraya a joué un bon bâton sous Barbi. Il n'a pas qu'à bédi mon anaï. Est-ce que moi, on a obligé à tout n'a pas bon au Mais je me suis posé des questions. Est-ce que moi, on a obligé à tout n'a pas bon au jour? Oh, il y a toujours un jour. Autant bon au cabé de 10 millions, 1 million, au jour. Pendant ce temps, on nous signale que le directeur du cabinet a un bon. Tabassé. Pourquoi Bandouba? Il y a Zoloba, Batuinte, Balobi, et Bapromba, Bazu déjà va ordre. Bazu Bazanaye, la cellule naye, Bazu déjà va ordre, Bakobomaye, on a selon y. En tout cas, Bakongolo, Bazakuna, Babeti, Nepuna, Kanda, Yambongo. Et puis, il fallait qu'il y ait Samba, Aboiko, Samba, Aboiko, Loba. Par conséquent, il y a un prisonnier au bazar, le roi, ma collègue, il y a un ami, il y a un bêta qui est sérieusement, parce que ça fait très mal, il y a un roi, et ce qui est le oyo, bisoto vivre n'a pas si bruit aux angles au lieu sur les jeux à un million en haut aux oies qui battait la bison au haut en la prison à calatoni et au lieu à l'eau son amate mille et au lieu son apondu au lieu à l'eau à cava vous mourrez vous mourrez. Les voisins qui vont tabasser sévèrement. Et en tout cas, c'est ça, et le roi pas si mal, il doit quand même assumer ses responsabilités parce que tout ce qui était à Kendeko, ça m'a gambo. Il y a un bon et puis il y a un bon carabo qui m'a et ça qui est au minité. Alexis Tambo Mwamba, il faut que toi, Alexis Tambo Mwamba, doit être arrêté parce que dénigrer qui une dame bijou, nakati ya. Il y a Sénat où il y a écrit avec cet amour. Problème, procureur à lobby. Est-ce que Alexis Tambo-Mwamba a son préféré honneur ou humiliation? C'est à lui de choisir soit humiliation, soit honneur. Honneur, il y a deux mandats de compensation où il y a Vita qui est à Kimbi. Il y a Boui, il y a Lobby, il y a humilité. Mais ce qui est humilité, il y a un congé parlementaire. Na congé parlementaire wana mutunyo soazonga kana ba grade na ye normal roi citoyen nyo so congolais. Alors tant moi j'ai congé parlementaire a vous aller sur le président présent en sénaté. C'est à ces moments là de ba okikokanga puisque Alexis Tambo Mwamba pourquoi pas aller se présenter papa Alexis Tambo Mwamba ba okanga yote parce que ça ba humilité na yo ba okanga yote allez-y vite se présenter. Le bal Kamozo, il a la justice. Le bal Kamozo, il a la madame Bijou. Et puis ça va finir calmement. Au lieu de le cabal humilier, ça ne sera pas une très bonne chose parce que le pouvoir est à deux points de mesure. On se pose des questions. Sur le pouvoir est à deux points de mesure. Tant que nous faisons peut-être pour le bêta qui. Parce que le FCC, c'est le bêta. Bêtine Jean-Marc Kaboun, bêtine de PES, film de Moukolo, destituer Jean-Marc Kaboun. Il ne peut pas engager mon tout-être, n'importe où, jusqu'à nouvel ordre. Bon, alors,
puisque le pouvoir est comme un talent, la guerre est comme une idée de cache pendant que le peuple souffre, pendant que le peuple s'est distrait, pendant que le peuple est ok, moi qui te remingite. Parlons de Ituri. Maramizana Ituri, ça qui te remingite. En tout cas, merci beaucoup, nous avons découvert Ituri. Bon, on peut se rappeler sur l'information, mon goût réel. Ituri 17. 18 assaillants et un soldat tué au cours de plusieurs attaques à Djungu. Un village et territoire de Djungu est le 1er juillet 2019, photo président, présidence RDC, 10 hôtes assaillants de Codeco. On doit se poser des questions, s'il vous plaît. Nous avons tellement beaucoup yaba. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que c'est normal? Ça pourrait penser ainsi. Côté Moussousou, où est le leveur Mboro? Multipliant des exhortations à Niangara, au Yokoto, à Kyoboto, là-bas, on peut souvent gomber, mais quand vous avez moi qui te communique, côté Moussouban de Robo Bipé, et qu'on dit à moi, quand même, quand vous avez les cas, parce que ce qui m'a quitté, et Congo est à force. Congo est à force, tout ça, une armée, mon côté très très efficace, au Baro Kiko Bingana, Batou Nyon, ce Baro Kipé Congo. Pendant que les soldats zambiens sont basés en Angola, plutôt dans Katanga, ils sont occupés en haut. Ça fait très mal. Kofi Olomide, hier, avant-hier, il était avec le chef de l'État pour dire que Kofi Olomide pourrait l'occuper. Et je vous assure que je serai à l'auteur, vous le verrez de vous-même. Pourquoi je dis ça? Kofi Olomide a signalé Bissoke Alingi Azala Bongo, directeur cabinet chef de l'État. Abiyakou Iba Mbongote. C'est ça au moins faut Iba Rabato Bolling Bakota Rabate Touana. Ce qui Kofi Akokota. Mais ce Kofi Akokota te, avant mon temps comme directeur et cabinet chef de l'État, avant mon temps comme ministre, excusez, mais il faut que Iba Akotina combien dans ma Kotina poste à l'État. Papa Tibala comme ministre de la République démocratique du Congo. A kota ki na combien? Tango abimi abimi na combien? Sami Badibanga, a kota ki ministre. Matata Ponyo, a kota ki ministre. Adolphe Mouzitu, a kota ki ministre. Via Palou, a komi ministre. Avant Palou, est-ce que Adolphe Mouzitu avait assez de moyens qu'il avait après Kobimana poste un ministre? Tibala, à côté du ministre, à Zagi na mongo ni n'a pas côté ministre, après Kobima na primature, à Bimi na mongo combien, à Bimi na mapango combien, on doit se poser de questions. Le Congo d'aujourd'hui, ce n'est pas le Congo d'hier. Si les Américains, Allemands, les alliés, pays où ils ont la réconciliation, ma kasi, deux points au Kiliébanda, Allemands, Baza, Ini. Les États-Unis aujourd'hui, si on parle des États-Unis, c'est parce que Bazoua qui va être mis sur la commission, un État. Oui, comme États-Unis. Il y a un monde qui est allé à la grande puissance dans le monde. Si les États-Unis, Donald Trump, aïe peut-être force à Koloba, c'est parce qu'il y a eu quand même de noirs américains, des américains, Bimi na balabala pour revendiquer la mort de leurs frères américains, où ils créaient bas problème en Amérique. Mais Souribiso a tout bon Koufana Béni, personne n'en parle de ça. Batoubou Koufana Ituri, personne n'en parle de ça. Batoubou Koufana Gemena, personne n'en parle de ça. Batoubou Koufana Kinshasa, personne n'en parle de ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Nous ne faisons pas l'excitation à la haine. Plutôt, nous cherchons à faire révéler la conscience. Et au lamou, ça esprit à Congolais, mais ici, quand il n'y a pas, ici, quand il n'y a pas.
tout comme on a piste, oh, y a les lois, il faut comprendre que ce que vous dites, qui chef de l'État a ça là, a ça à nous sauter. Et il ne faut pas se dire que ce que maintenant qui vous continuez, vous continuez à échanger, comment échanger avec clé d'œil. Non. Il y a encore des sacrifices à faire. Pendant qu'il y a des sacrifices à faire pour atteindre le but, alors on a deux mandats, oh, y a pour ça la carte canadienne. Alors, par conséquent, qu'est-ce que vous pensez, nous les Congolais? Qu'est-ce que nous manquons à Rubi Mananzela, l'article constitution et lobby? Ceux qui ont une incapacité à consolo lana mon condition mboka, tout le monde a besoin de bien être dans mboka, il m'a balabala. Revendiquez vos droits. Qu'est-ce que vous manquez? Aujourd'hui, Yann Raphaël est mort si brutalement comme ça, peur des familles. Il y a moi Sinaï, papa, il y a Bananaï. Il est mort aujourd'hui. Qui a parlé? Qui a marché? Est-ce qu'il y a des Congolais? Parce qu'il y a un Raphaël, défendait la République démocratique Congo, défendait ses trois couleurs, bleu, rouge, jaune. Et aujourd'hui, s'il faut parler, il y a un Raphaël n'est plus. Mais cet Américain ne défendait rien du tout. Cet Américain, il y a des vidéos qui circulent qu'il a fait un acteur pornographique. Mais voilà comment il a excité la population américaine de se soulever à ôter le manabalabala pour parler de sa mort. Pour parler de la maltraitation où ils allaient entre les blancs et vers les afro-américains, les noirs. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Quand vous n'arrivez pas à comprendre certaines choses, quand vous n'arrivez pas à surmonter, quand vous n'arrivez pas à être au bout de vos pensées congolais et congolaises, il est temps de se réveiller, dire que ce beau pays nous appartient. Congo, il y a du sol, il y a du Katanga. Tant que vous avez dit que Katanga, on a vu dans les États-Unis, il y a province.